a un petit problème technique ce matin, il manque les micros, fait que je vais utiliser l'embon. Bonjour. Nous avons quelques annonces avant de débuter la célébration. Veuillez noter que la messe du jeudi 28 juillet à 8h30 à l'église Saint-Benoît, elle va être annulée en raison de la visite du pape à Québec. Il est toujours possible de remplir le questionnaire qui alimentera la réflexion des membres de l'Assemblée de Fabrique en vue de la mise à jour du plan directeur immobilier, ce qu'on appelait le PDI. Ce document se trouve sur les tablettes à l'arrière de l'église, de chaque côté là, de l'allée centrale, et on peut les trouver aussi sur le site de la paroisse. Une autre annonce d'un autre ordre, l'initiative Frigo Partage, qui vise à lutter contre la faim et le gaspillage alimentaire, doit remplacer l'un de ses réfrigérateurs le plus rapidement possible. C'est un des frigidaires qui est dans l'abri, qui est situé à côté. Si vous-même ou une personne de votre entourage veut se départir d'un réfrigérateur en bon état, bien entendu, avec une largeur maximale de 31 pouces, nous vous invitons à contacter M. Mario Vézina. À la fin de la messe, les personnes à l'accueil pourront vous donner son numéro de téléphone ou lui-même pourra le faire parce qu'habituellement, il fait l'accueil aussi à la sortie. Nous vous remercions de l'attention portée à cette demande parce que c'est vraiment un besoin urgent. Le président de notre célébration ce matin est l'abbé François Jacques. Bonne célébration. Salutation, c'est le mot encore. Hein? En tout cas, que le Seigneur qui vient nous visiter aujourd'hui, encore, vous comble de sa joie et de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'aime pas encore parce qu'il ne s'absente jamais, il est toujours dans nos vies. Alors, c'est nous qui sommes encore ici, c'est pas lui. Alors, c'est un détail, mais voilà. Nous sommes venus donc le rencontrer. Il nous redit son amour et son appel à le suivre. Il veut faire de nous des disciples et, selon le pape François, des disciples missionnaires, selon son cœur. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche de nous pour nous donner la vie en abondance. Prends pitié de nous. Au Christ, tu es venu nous révéler l'unique nécessaire, la meilleure part. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sièges à la droite du Père où tu nous as préparé une place à ta table pour l'éternité. Prends pitié de nous. Que Dieu
dont la toute puissance est celle de l'amour. C'est pour ça qu'il nous laisse libres. C'est pour ça qu'il n'intervient pas avec des bombes pour arrêter les guerres. Non, non, non. Et son amour nous fait confiance. Il espère toujours de ne pas se tromper, hein, évidemment. Alors que Dieu, dont la toute puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. S'entend bien, nous autres, on est souvent ensemble. Et préparons notre prière. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour nous les dons de ta grâce, afin que brûlant de charité, de foi et d'espérance, nous soyons toujours vigilantes et vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le récit qu'on va entendre, il vient de plusieurs récits. Alors, c'est un peu une synthèse. Les différents récits ont une origine diverse. Et c'est intéressant. Donc, c'est important. Et c'est une rencontre de Dieu. Abraham est un homme de très, très, très grande foi. On le considère comme le père de la foi. Et donc, il reconnaît dans cette visite la visite de Dieu. Et si vous voulez voir le sens de ça, vous regardez au psaume. La phrase qu'on va chanter au psaume, je ne sais pas si on va la chanter, mais en tout cas, qui est là, « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?» Au fond, ça veut dire « Sommes-nous dignes de te recevoir ?» Comme on dit à la communion, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, etc. etc. » Alors, donc, la question c'est, puis Abraham l'avait aussi, sommes-nous dignes de recevoir Dieu dans notre vie? On écoute. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux
il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger. » Et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. Puisque vous êtes passé près de votre serviteur, il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, prends vite trois grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre. Il le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on en avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre. Pendant qu'ils mangeaient, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. À ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Saint Paul, il est bien connu. Si nous avons l'Église telle que nous la connaissons, avec les ministères que nous connaissons, ça vient de lui beaucoup. Ça. C'est lui qui a structuré les premières communautés chrétiennes. Et donc, on lit dans ce texte que sa vocation d'évangélisateur vient d'un appel reçu de Dieu. On sait les circonstances, on les connaît. Et puis, il rencontre beaucoup de résistance sur son chemin. Et en même temps, il va partager le rejet, au fond, que Jésus a connu. Quand Saint Paul a été prisonnier à Rome, il avait droit à un logement, là, il n'était pas en prison, là, sans résidence surveillée. Il ne lui restait que trois amis, hein, sur tout l'ensemble, Saint-Luc, Saint-Timothée et Saint-Tite, sur tout l'ensemble des personnes qu'il avait connues. Alors, donc, ça a été très éprouvant pour lui, mais il nous a laissé un héritage extraordinaire. Je mentionne ceci. Pour terminer, il envoie une lettre aux Colossiens,
il n'est jamais allé à Colosse. Mais ce sont les Éphésiens, où il a passé du temps, qui sont devenus missionnaires, certains, puis ils ont créé l'Église à Colosse, et il leur envoyait une lettre pour les soutenir. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, aux Colossiens, dirais-je. Frères et sœurs, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir les épreuves du Christ, dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps, qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à Dieu pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant était manifesté à ceux qui l'ont sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère. Parmi toutes les nations, le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous vous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes bien du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Une chose importante au point de départ, c'est que le mot « Seigneur », qui veut dire « maître de la vie et de la mort », c'est ce que ça veut dire « Seigneur, maître de la vie et de la mort », est mentionné trois fois. Ça veut donc dire que le texte comme tel est adressé aux apôtres de Jésus, aux disciples. L'événement arrive pour l'éducation de ceux qui suivent Jésus. Évidemment, ça rejaillit sur nous un certain nombre de siècles plus tard et ça devient une ligne directrice pour notre vie, notre spiritualité aussi. Une chose qui est importante, et on ne remarque pas l'affaire, c'est que c'est Marthe qui reçoit Jésus. Marthe le reçut. Alors que les servantes, excusez-moi de dire ça, mais les servantes à l'époque n'allaient pas ouvrir la porte et restaient dans leur coin à l'écart. Alors c'est elle qui est au fond la maîtresse de maison.
C'est elle qui accueille. C'est pas Lazare, pourtant, qui est devenu le grand ami de Jésus. Et ça nous fait penser que Lazare était malade, était un homme malade. C'est elle qui le reçoit. Alors, elle est aussi un modèle d'accueil du Seigneur. Pas seulement Marie qui a choisi la meilleure part. Il y a différentes façons d'accueillir Jésus, le ressusciter dans nos vies. Alors, ça peut être dans le service, justement, de frères et de sœurs qui sont dans le besoin, par exemple, et qui représentent Jésus. Un jour, chez moi, quel âge as-tu, toi? 13. Oh, juste un peu plus jeune quand même. Il y avait en face de chez moi une famille polonaise, d'immigrants, de la Première Guerre, par exemple. Je suis vieux, vous savez, ça paraît pas. Hein? C'est il y a 100 ans. Il y a 100 ans de ça, mais le monsieur, ils sont tous peut-être juste une fille. Tout le monde est mort maintenant. Alors, il y avait une enfant trisomique. On sortait jouer dans la rue. Il n'y avait pas de trafic dans ce temps-là, hein, puis c'est une rue très secondaire. Et puis, elle venait jouer avec nous. Mais évidemment, elle mélangeait tout le jeu. Ben oui. Aussi cruels que peuvent être des enfants, nous partions, parce qu'il n'y avait pas de bouteille d'eau, ce n'était pas inventé dans le temps. Alors nous retournions chez eux, au bout d'une demi-heure, on en avait assez. Alors on retournait chez nous, on buvait de l'eau, on traînait un peu. Alors elle partait chez elle, boire de l'eau comme tout le monde. Puis quand elle revenait, nous avions changé de rue. À 32 ans, j'étais prêtre depuis 5 ans. Une rosaire qui est ici m'a vu évoluer. Là. Dans le stage que j'ai fait. Et je m'en vais dans une retraite où il y avait des personnes trisomiques, entre autres. Et puis, après les entretiens, on se réunissait. La retraite était à Rouyn-Noranda. On entend parler de Rouyn de ce temps-ci. Alors, j'étais là. Et je retrouve du monde que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et entre la conférence et l'atelier, j'ai jasé, j'ai causé. On avait une pause, mais j'ai étiré la pause à cause de ces retrouvailles. Et là, je m'en vais m'asseoir dans l'atelier. Il y avait 12 places. Il y avait une place libre. C'était à côté d'un trisomique, Daniel, j'oublierai jamais son nom. Moi, avec du regard, je fais le tour pour voir si j'avais une autre place où je pouvais m'asseoir. Et lui l'a remarqué. Et je vais m'asseoir, il se tourne vers moi et pose la question de Jésus à Saint-Pierre. Toi, m'aimes-tu? Tout mon passé est remonté, le passé de mon enfance avec Eva. J'étais deux nuits sans dormir. C'est comme Abraham qui reçoit Jésus. Hein? Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Tout d'un coup, il est là. S'occuper des pauvres, s'occuper des gens victimes de handicap intellectuel ou physique. Être disponible, pas trop les paterner ou les materner, là, mais juste être disponible, voir Jésus s'impose à nous. Alors, c'est ce qui arrive ici. Même dans le service, Sainte Marthe a reçu Jésus.
Marie, évidemment, est plus dans la prière, la contemplation. Mais Marie a besoin de se reposer. Parce que ce qu'on pense, enfin selon Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, la Marie d'ici, c'est la même que la Marie-Madeleine qu'on connaît. Et si c'est vrai que Lazare est malade, il fallait que quelqu'un gagne la vie. Il fallait que quelqu'un reste avec lui, Marthe, et Marie-Madeleine allait gagner la vie. Comment les femmes pouvaient-elles gagner leur vie dans ce temps-là, à l'extérieur des maisons? Devinez. Alors, c'est tout ça. Donc, elle avait besoin d'être à l'écart. Elle avait besoin de garder contact avec Dieu pour dire, ben, ma prostitution, c'est au service des autres que je le fais. C'est le seul chemin que j'ai pour que nous puissions manger. Elle ne quittait pas Dieu du regard, de son cœur. Alors, c'est un autre chemin. Les deux doivent avoir leur place dans notre vie. Et la prière, qui est essentielle, mais aussi le service des autres où Jésus nous atteint dans nos faiblesses, nos limites, notre beauté aussi, notre grandeur, notre dignité, il nous atteint là-dedans. Alors l'Évangile est là seulement, je termine là-dessus, l'Évangile est là seulement pour nous rappeler qu'il doit y avoir des espaces de gratuité, de sens de la personne, d'attention aux plus petits. Quand je fais un baptême, je dis aux parents toujours, vous savez, le petit et la petite, là, c'est aussi votre éducateur et votre éducatrice. C'est pas seulement nous qui devons le former, il nous change aussi. Et laissons-nous aimer, laissons-nous changer par Dieu à travers les enfants, entre autres. Voilà, alors je pense qu'on en a assez pour accueillir cette parole de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort et a été ensevelu, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite. Avec confiance, laissons monter vers le Seigneur l'expression de notre prière fervente. Pour l'Église, afin qu'elle soit une véritable hôtesse, ouverte à tous, capable d'annoncer que le Christ est parmi nous, prions le Seigneur. Les hommes et les femmes qui occupent des postes de haute direction dans notre société, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les chrétiennes et chrétiens qui, en divers endroits dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui travaillent dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie, et qui accueille des réfugiés et des immigrants, afin que leur hospitalité soit reconnue comme un signe de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière.
pour que dans nos communautés chrétiennes soient mis en place de petits groupes pour approfondir, partager, se recueillir autour de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour la visite de notre Saint-Père, le pape François en sol canadien, afin que sa venue chez nous nous incite à rester à l'écoute des appels de notre Seigneur, mais aussi à nous engager toujours davantage au service des autres, et spécialement en vue de la réconciliation avec les peuples autochtones. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, tu nous demandes de pratiquer la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec toi. Fais que nous portions des fruits par notre persévérance et que nous soyons ainsi les hôtes pour notre plus grande joie. Tes hôtes pour notre plus grande joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. De toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as apporté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et servantes. Sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacune et chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi,
tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, la deuxième prière après la consécration.
action, ça nous concerne. Ça vient chercher la consécration baptismale qui est en nous. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ qui est ici. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, Sainte Geneviève, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Et à votre cœur, comme au mien, la phrase qui suit très importante, hein? Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et ce matin, nous prions spécialement pour Dame Jeanne Perrault, messe offerte par M. Jean-Guy Asselin. En ta bienveillance, accueille nos défunts dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Alors le Saint-Esprit vous pose la question, si vous êtes d'accord avec la messe, évidemment l'écoute. On ne parle pas en même temps que les autres parlent, hein. On l'écoute, et puis ben, on répond. Si personne ne répond, ben, on s'en va. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Wow. Ben, je dis wow parce que je pense que notre Père qui s'en vient va être quelque chose. On y va. Notre Père, Jésus. Spéciale, la paix dans le monde, la paix dans les cœurs, les familles, la paix pour les chrétiens persécutés aussi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes ennemis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Yeah. Oh, je me demandais comment se fait que tout le monde a envie d'aller aux toilettes en même temps. C'est pour la communion, par contre, c'est ça. Miserere nobis, miserere nobis.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, ni seulement ta parole, et je serai guéri. Vous savez que consacrer du vin à la messe, c'est pour évidemment, c'est pour représenter le sang du Christ, mais c'est aussi parce qu'on met un morceau du corps du Christ avec le sang, ce qui signifie la résurrection. Hein? Alors, celui qui est ressuscité n'est pas un cadavre, c'est vraiment Jésus dans tout son corps, tout son être. Même s'il passe à travers les murs, il est le même, puis il est différent, mais en tout cas, je n'embarque pas là-dedans. On verra ça au ciel. On comprendra au ciel. Évidemment, on a arrêté de distribuer le vin au moment de certaines épidémies et pandémies qui ont eu lieu au Moyen Âge, entre autres. Notre roi, notre pasteur.
Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant qui tourne son regard vers vous avec amour, bienveillance et soutien, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors, merci à Normand, Rosaire, Marc-André, puis les ministres de la communion dont je ne sais pas tous les prénoms. Alors, et à vous toutes et tous pour votre ferveur. C'est toujours plaisant pour moi de célébrer avec vous. Bonne semaine.